Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Très très contente de vous retrouver pour faire un vide-grenier aujourd'hui. On est le jeudi 23 mai, donc c'est un jour férié. Donc je profite pour sortir faire un vide-grenier dans le 17e, c'est vers Rome. Donc ils annoncent 200 exposants. Je ne serai pas seule, je serai accompagnée d'un ami. Je suis arrivée un peu en avance, donc je l'attends à la sortie du métro et voilà, je vous retrouve juste après pour découvrir avec qui je vais faire ce vide-grenier. Espérons trouver des belles choses. Je vous retrouve juste après pour les images. À tout de suite les amis. Re les amis, alors je me retrouve sur place avec notre ami, alors je vous présente. Lightning, bonjour tout le monde, ça va? Voilà, on s'est dit de faire ce vide-grenier en ce jour de... Du pont de l'Ascension. Voilà, et on a fait plus ou moins le tour. Au début, on n'a pas trouvé grand-chose, c'est plutôt des antiquités, des revendeurs. Il n'y a rien de tout, vraiment rien de tout. Et du coup, on a discuté un peu avec une dame qui vient de s'installer avec sa fille. On a demandé si elle avait des jeux. On a demandé à tout le monde presque. Donc, elle a dit oui. Elle avait des jeux, oui. Oui ou plutôt. Et du coup, oui. Voilà. Après, elle nous a dit d'attendre parce qu'il y a du monde et tout. Donc, je vous raconte rapidement parce que c'est vraiment du lourd qu'on a trouvé aujourd'hui. Elle nous a dit qu'elle avait des jeux et qu'il y a certains sont chez elle et qu'elle peut y aller les chercher. Donc on s'est dit ok, on va l'attendre, on attendait, il y avait du monde qui attend. On n'a pas pu filmer parce qu'il y a vraiment les ratisseurs de jeux vidéo, mais énormes sur Paris. Mais bref, comme on a discuté déjà avec la fille, elle revenait, on la connaît, donc elle est venue avec un sac. Et voilà, je vous raconte pas, on n'a pas pu filmer. C'était pris d'assaut, donc on a trouvé des belles choses, mais énormément. Lightning aussi, il s'est fait plaisir. Oui, surtout, parce que dès que la fille est arrivée, elle s'est fait littéralement charger. Voilà. Heureusement, on a eu de la chance, elle nous a vu en premier, elle a attendu le sac vraiment en premier, donc on a pu se servir, on a pu se gaver, comme on dit. Voilà. On a trouvé des petites choses comme pas possible, on vous montrera ça à la fin de notre rendu. Voilà, on a trouvé des jeux sur différents supports parce qu'on a demandé avant qu'on cherchait de tout et qu'on collectionnait. Donc elle a fait un effort de chercher chez elle, elle a pris du temps, mais on s'est fait plaisir. Je vous montrerai ce qu'on a rentré plus tard. Maintenant, on va changer de lieu. On va y aller voir un autre vide-grenier. Comme c'est tôt, et il est 9h du matin. Donc on se retrouve peut-être pour les images parce qu'on n'a pas filmé sur le premier. Donc je vous dis à tout de suite les amis. Allez, ciao, à plus tard. Les amis, alors on se retrouve sur la deuxième vide-grenier, toujours avec notre ami Lightning. Lightning, ça va. Et on va faire le tour, espérons. Là, on voit des particuliers, ça fait plaisir. On va voir, faire le tour si on peut trouver des choses. Donc à tout de suite pour les images. Ah, la Wii. La Wii noire. Ouais. Bonjour. Vous la faites à combien la Xbox? La Xbox, elle l'a fait à 60€. 60, ok. Et la Wii, vous la faites à combien? La Wii, il l'a fait à 60. Ouais. C'est une autre. Ah ouais. Ça vaut 79€ au magasin. Du neuf, hein. Non, ça, c'est pas officiel. Ah, ouais, c'est pas officiel. Ceci peut-être. Oui, oui. Il y a certains qui les pèsent pour savoir si c'est officiel ou pas. Vous la faites à combien la montre? 40€. Et celle-ci? 35. Les montres connectées. C'est vous 200 au magasin. Les neuf. Ouais, je vois. Ah, voilà.
Monsieur, c'est 10 euros de pièce, monsieur. Oui. Bonjour. La Game Boy, elle est à combien? C'est compté. Comment ça va? Alors, madame, je pense que c'est lui qui m'avait dit c'est que pour les jeux de machin, les jeux de Switch. Voilà, il abuse. Ouais, c'est ça. Pour mes machins. Bonjour. Vous faites à combien les jeux? Genre. C'est bon, voilà, c'est 5 euros plus dur, c'est trop. C'est genre. Moins, ok. L'étiquette est un peu abîmée. Bah, le mec qu'on était en train de voir là, une fois il m'a vendu une manette Xbox. Et il m'a dit ouais, elle la fonctionne, je te jure, je suis rentré chez moi, j'ai mis les piles, j'ai mis même le câble. Oui. Ça fonctionne pas. Ah. Ouais. Pour ça, des fois j'ai vu quelques personnes avec grenier. De toute façon, à sa façon, il a l'air vraiment émaillé. Hein, ouais. Et peut-être qu'on n'achète pas aussi, tu vois. Exactement. Ça m'énerve, ça. En plus, c'est un ancien modèle, le modèle de 95, ouais. Le premier modèle. Elle a pris la pluie. Et voilà, le troisième modèle est comme ça. Ouais, avec deux fiches. Ouais. Bonjour. Bonjour. Vous les faites à combien, les consoles? 20 et 2. Non, les deux. D'accord. Re les amis, alors on se retrouve ici pour faire le compte-rendu de vide-grenier qu'on a fait avec Lightning. Bonjour tout le monde. Et du coup, voilà, on a trouvé des belles choses. Il faisait beau le matin, un peu frais, mais là il commence à pleuvoir, donc on a pris un endroit calme, on fait un petit café, voilà. Et on va faire ensemble le compte-rendu. Exactement. En duo, et on est juste à côté les deux. Donc, je te laisse commencer. Donc, moi, tout d'abord, dans le premier vide-grenier, avec les lunettes, j'ai pu trouver un jeu sur Switch, pas en France, hein, je dis des Switch, on va plus souhaiter tomber sur la Switch. Donc, j'ai pu tomber sur ce jeu-là, Zelda Link Awakening. Je suis content d'avoir trouvé. Il était annoncé à 15 euros. Ouais. 15 euros, c'est vrai. Et je trouve que c'est un bon titre. Moi, je le possède déjà, donc c'est génial de trouver des jeux comme ça en vide-grenier. C'est la première fois pour moi, les jeux Switch. Bon, j'ai trouvé une fois un Just Dance, c'est pas grand-chose. Donc, de ma part, je vais commencer par le tout petit jeu que je cherchais parce que je l'ai en loose. Et enfin, je tombe dessus complet en boîte. C'est un jeu Wii U, annoncé à 5 euros. Donc, je rentre le Mario Carte 8 en complet. Voilà. Très contente de l'avoir rentré enfin en boîte parce que je l'ai en ligne. C'était à 5 euros. Je vous dirai le prix du lot à la fin. Voilà. Ensuite, dans une boîte de Nintendo DS 3DS, avec un ensemble de cartouches DS en loose, je peux vous dire des titres qu'il y en avait. C'est malheureusement, on n'a pas pu filmer parce qu'il y avait beaucoup de ratisseurs autour de nous. Donc, c'était vraiment à la All Again for You. Donc, j'ai pu trouver Pokémon Lune, qui était annoncé à 5 euros. Ensuite, ce n'est pas fini, j'ai pu trouver en loose Pokémon Omega Ruby à 5 euros. Et le meilleur pour la fin, celui-là, il n'est vraiment pas évident à croiser un vide-grenier. Vraiment pas évident. J'ai nommé, attention, Pokémon version noir 2, annoncé à 5 euros que j'ai pris. Voilà,
Il y avait d'autres gens, quoi. Il y avait du Mario DS. Hein. Donc... Ouais, il y avait un Final Fantasy 3DS, il y avait d'autres titres. Bon. C'était tout dans une boîte de rangement, sans boîte d'origine. Donc moi, j'ai pu trouver un Pokémon aussi sur DS. C'est la version platine sur la DS. Donc c'était à 5€ normalement, tous les jeux en loose. Et du coup, on a pu faire un lot, c'est pas fini. Donc après, t'as tout présenté, c'est bon les trois jeux DS, le jeu oui. Switch. Ce que j'ai trouvé, c'est le premier vide-grenier. Ensuite, c'est toi. Après, j'ai rentré quand même un jeu Game Boy. Il n'y avait qu'un seul. Bon, nous, on a parlé avec la petite dame. Il nous a dit qu'on a dit qu'on collectionnait et tout. Ici, vous avez des consoles rétro et tout. Donc, il nous a sorti un jeu seulement sur la Game Boy. C'est le Tetris. Je le possède déjà, mais je l'ai pris pour un échange. Voilà. Ensuite, un deuxième jeu, le dernier jeu que je vais vous présenter, c'est le Super Mario 3D sur la Wii U. Voilà, je les ai eu. Elle avait les deux là au début et après elle a rentré pour nous chercher le reste des jeux. Elle est allée chercher d'autres, mais quand même c'était vraiment. Elle s'est littéralement fait changer hein, la petite. Hein, la petite ouais. Elle est allée revenir avec les jeux. Il y avait des jeux de Wii, il y avait Mario Kart Wii, mais bon, il y avait d'autres jeux Wii également. Et puis d'autres jeux de Nintendo DS. Il y avait également la DS édition Zelda. Ouais, la 3DS Zelda. Très rare. Mais bon, on ne pouvait pas tout prendre hein, donc. Elle était pas mal rayée sur l'écran du bas, c'est ça? Exactement, il y avait des rayons. Alors bon. On a pris ce qu'on avait le plus besoin, ce qui nous tapait le plus à l'œil. Ouais. Donc voilà. Donc moi, pour l'ensemble, le petit lot là, il était annoncé à 30€. J'ai demandé à avoir une petite réduction. J'ai eu le tout pour 25€. Le jeu de Switch, hein, de Zelda, les trois jeux Pokémon, 25€. Ouais. Voilà. Et pour moi, voilà. C'était normalement 5€ par jeu, le jeu Wii et le jeu DS. Et le jeu Tetris, elle m'a dit 2€, donc j'ai pris le lot pour 15€. Donc, voilà. Soi-disant, elle n'a pas compté celui-là. Voilà. Et ensuite, on est allé faire un deuxième vide-grenier hein, sur un pot de vendre. Oui. Donc, le deuxième vide-grenier, bon, ça avait déjà été ratifié. Déjà, oui. Il y avait une dame qui avait déjà oui, c'est pas tardi au ce matin, donc tant mieux, on s'est compris. Donc, on a fait le tour, on a vu quelques revendeurs, donc voilà. Donc moi j'ai vu en partant un jeu qui m'a tapé dans l'œil, mais c'était aussi la boîte hein, que j'ai vue. Mais quand j'ai vu le CD qu'il y avait à l'intérieur, c'est un jeu de rôle qui est également recherché. Donc j'ai pu trouver avec Kingdom Hearts, c'était le Kingdom Hearts 2, la boîte. Hein. Mais en ouvrant c'était The Art of The Art of Nafishim. Ouais. Voilà. Après, il y a la notice. C'est un flyer de la solution de Kingdom Hearts 2. Ouais. Voilà. Que j'ai eu, elle me le faisait à 3€. Qu'est-ce que vous pouvez me le faire à 2? Donc, c'est passé, elle me l'a fait à 2€. Donc voilà, c'est ce que j'ai pu trouver. Donc voilà, c'est tout pour ce compte rendu. Voilà, on s'est fait plaisir, on a trouvé des belles titres. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez pour ce featuring audio qu'on a fait de ce vidéo-linage, Miminette Game et moi. Donc, sur ce, n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus, à laisser des commentaires également et dites-nous ce que vous en pensez. Sur ce, on vous souhaite de passer un bon week-end, un bon pont de l'Ascension. Également, de passer une bonne journée. Et d'ici là, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peut-être dans notre prochaine vidéo-linage, on verra. Je verrai sur nos chaînes en standalone. Voilà. Donc voilà. Bonne journée à vous et portez-vous bien et à bientôt. Salut. Et moi je vous dis à très bientôt aussi pour d'autres vidéos. Donc très contente d'avoir trouvé ce petit jeu le matin. Donc pareil, je vous dis à très bientôt et lâchez un pouce. Ciao les amis.